I'm Laurie Edmiston, Executive Director of CADI, Canada's source for HIV and hepatitis C information. And I'm Suzanne Nicolay, Chair of CADI's Board of Directors. I know this is an especially difficult time for people working in HIV and hepatitis C. I know it's especially difficult for people working on the front lines and public health leaders who have had to pivot their response to take action against COVID-19. This pandemic has tested the limits of our public health infrastructure, but it has also demonstrated what we can achieve together if we put research into practice. Frontline workers across the country have demonstrated courage, compassion, perseverance, and responsiveness in the face of this crisis. CADI also has responded to new challenges as they emerge, like the overdose crisis and COVID-19. Being responsive ensures that CADI stays relevant to the people we work with and that service providers can continue to count on us for the information and resources they need. In this video annual report, I'm proud to share some of CADI's accomplishments over the past year, bridging the gap between research and practice in Canada's response to HIV and hepatitis C. CATI développe, diffuse des ressources d'information pour les prestataires de services en VIH et en hépatite C. Nous nous tenons au courant des dernières recherches et publions des documents destinés aux prestataires de services et à leurs clients. Voici des ressources créées par CATI cette année. Publications imprimées et en ligne pour les prestataires de services et leurs clients. Vidéos éducatives. Bulletin électronique des derniers progrès en prévention, dépistage, traitement et des modèles de programme. Dans notre sondage, 96% des prestataires de services étaient d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que CATI enrichit leurs connaissances en matière de VIH ou de l'hépatite C. Nous mettons en évidence les programmes optimaux du Canada en VIH et en hépatite C pour saluer le travail des intervenants de première ligne et favoriser le partage de bonnes pratiques. Au cours de l'année, nous avons mis l'accent sur plusieurs modèles efficaces de programmes de prévention, de dépistage et de traitement. Nous avons publié des études de cas et sommaires de recherche de 12 programmes du Canada et d'ailleurs. Diffuser de l'information ne suffit pas. Dans le but de favoriser le dialogue et les relations, il faut allier la recherche à la pratique. Pour ce faire, nous invitons des travailleurs de première ligne à des colloques et rapportons la recherche vers les premières lignes par l'intermédiaire de vidéos et de webinaires interactifs. Cette année, plus de 2000 personnes ont pris part à un webinaire de CATI. 94% d'entre elles ont dit qu'elles mettront en application les connaissances acquises. Nous offrons des programmes éducatifs gratuits aux prestataires de services, nouveaux et expérimentés, des cours en ligne, apprentissage hybride et ateliers de formation. Au cours de l'année, nous avons lancé un nouveau cours sur le traitement du VIH et présenté celui du traitement de l'hépatite C dans toutes les régions du pays. Plus de 2000 personnes se sont inscrites à un cours autodirigé en ligne de CATI. Les connaissances des décideurs et de la population devant être mises à jour, nous tentons de combler l'écart entre la recherche, les politiques et la sensibilisation du public. Nous avons collaboré au lancement du modèle directeur pour éliminer l'hépatite C au Canada et publié des éditoriaux pour mettre le VIH et l'hépatite C à l'ordre du jour. En décembre 2019, notre éditorial pour la Journée mondiale du sida a paru dans 13 médias canadiens, dont deux des trois plus grands quotidiens. Nous avons joint un bassin combiné de 1,1 million de lecteurs. À l'interne, CATI a enregistré des avancées face à un monde en évolution. Par souci de vérité et réconciliation avec les peuples autochtones, les employés de CATI et membres du conseil d'administration ont été formés en sécurité culturelle autochtone. À la fin de l'exercice, CATI a répondu à la pandémie de COVID-19. Notre personnel s'est tourné vers des webinaires et sources d'informations en ligne pour aider les travailleurs de première ligne à réagir à la pandémie et à adapter leurs services. Nos employés ont pris la balle au bon, tout comme les gens des premières lignes, et ont fait de leur mieux pour soutenir les prestataires de services tout en travaillant de la maison et en conciliant des exigences concurrentielles.
Nous remercions également notre conseil d'administration et nos bailleurs de fonds, l'Agence de la santé publique du Canada et le ministère de la Santé de l'Ontario, de même que les partenaires de notre secteur, Gilead Sciences Canada et AbbVie. Nous remercions aussi IMD et Chapelle pour leurs dons de produits et services et les individus qui ont fait des dons de bienfaisance à Cathy. Pour consulter nos états financiers, visitez notre site web à la section « Notre rapport annuel ». This video highlights some of our collective accomplishments. Makes me proud of the KD team and the many community partners that we work with. It makes me confident that no matter how uncertain the future may be, we can work together to improve the health of our clients and our communities. Join us. Visit our website, kd.ca, sign up for our email newsletters, and thank you for watching.